Rémi, Bernard Gauthier, Gaston Flo. En vie, ça j'en suis certain, Antonin Mail. Qui fait son tour d'honneur, Simpson, parce qu'il est sixième du tour. C'est cela, le classement général. Roger Cornet. Il pleure, oui. Oui, mais ça c'est ainsi dans le tour. C'est le moment de faiblesse du coureur cycliste. Cet homme de roc, cet homme de granit, le rude, se laisse aller à quelques larmes. Et le ciel, pour ne pas demeurer en reste, se laisse aller, lui, à quelques gouttes de pluie. Oui, il est blessé lui aussi au doigt. Attendez, la place de Tom Simpson. Ah, mon président, je ne vous ai même pas remercié d'être venu à notre micro, mais vous savez qu'il y a tout de même un petit devoir à accomplir. Quand on est troisième, on attend un peu plus que les autres pour faire son tour d'honneur. A plus tard, Raymond. Voilà, donc, le classement du tour qui n'a pas connu de changement trop profond au cours de la dernière étape est le suivant. Jacques Anquetil est en tête. Deuxième, Joseph Plancarte à 5 minutes 29 secondes. Troisième, Raymond Poulidor à 10 minutes 24 secondes. Quatrième, Gilbert Desmet. Saluons aussi l'excellente performance du Belge qui gagna il y a quelques années déjà Paris-Tour. Cinquième, Gildermans, le Hollandais, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège du Tour d'Allemagne et actuellement équipier de Jacques Anquetil. Sixième, Tom Simpson. Septième...